imaginez-vous dans votre cuisine en train de voir cette eau qui rentre dans la maison et le niveau qui montre très très rapidement en l'espace de quelques secondes. Vous avez de l'eau aux genoux et puis l'eau qui continue de monter et vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Je ne cessais pas de dire à mon mari mais on est en plein cauchemar. C'est un réel cauchemar. Vous avez un sentiment d'être coincé ou parcourir toute la maison à la recherche d'une solution complètement dans la panique et vous dites quoi faire. Quand on regarde les données historiques, bon, et on en a sur l'île de Ré, enfin, il y a d'autres endroits, hein. Ici, sur l'île de Ré, dans les archives, depuis 5 siècles, on a eu 54 submersions marines majeures. Depuis 1500. Donc 54, ça fait une tous les 10 ans, en moyenne. Quand on étudie bien les données, c'est rarissime quand il y a un mort. Xintia, on a 52 morts. On sait qu'en 2050, 80% de la population mondiale habitera à moins de 100 km de la mer. Donc les gens se concentrent sur le littoral. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Parce qu'il y a un truc dont vous avez entendu parler qui s'appelle la mondialisation. Et 9 choses sur 10 qui sont chez vous, elles ont pris le bateau. D'accord ? 9 choses sur 10. Donc les côtes, c'est les portes d'entrée. Donc c'est un acteur économique très fort. Et puis en plus, sur le bord de la côte, vous avez remarqué qu'il y a la mer, donc il y a de l'eau. Et l'eau, ça sert à plein de gens. Ça sert aux centrales nucléaires pour se refroidir, ça sert... ça sert à des tas de gens. Le sujet premier qui est qu'est-ce qu'on fait de ces maisons, de ces usines, de ces trucs qui sont en bord de mer, cette question-là, on n'arrive pas à la traiter aujourd'hui. Mais en même temps, bon, pour essayer de mettre un peu dans mon vin, c'est une question longue et compliquée à traiter. On ne claque pas dans les doigts. Ou alors, c'est ce que je vous dis, c'est autoritaire. Et là, on vous dit, monsieur, vous déménagez. Demain matin, vous prenez vos affaires là ce soir et vous n'habiterez plus chez vous. Le dimanche, donc le préfet nous a convoqué un par un, et moi quand je suis arrivé, il m'a dit, monsieur le maire, il dit, on rase tout le village. Voilà, ça a été... évidemment, sur le moment, ça interpelle un petit peu. Donc tout le monde faisait n'importe quoi gentiment, il y a eu 30 morts, d'accord, là, entre le sud de La Rochelle et le nord de La Rochelle, 30 personnes qui sont mortes, noyées chez elles. Et les gens, ils sont morts enfermés dans leur maison, qui n'avait pas d'étage, parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir la porte, parce qu'il y a la pression de l'eau. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte quand il y a 2 mètres d'eau, et qu'ils ne pouvaient pas ouvrir les volets roulants. Au niveau de la politique, en fait, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique puisque je me rappelle, on avait une réunion le vendredi, donc juste avant Pâques, et le préfet donc nous convoque tous, les maires avec les services de l'État, il nous dit bon, en matière d'urbanisme, on va imaginer des zones refuges, on va faire un certain nombre de choses. Bon, on part avec ça. Nous étions déjà dans la dynamique du plan de prévention des risques. D'accord, de submersion, c'est quelque chose, nous, sur la commune d'Yves, c'était en route depuis 2002. Donc on commençait déjà à avoir pas mal de recul là-dessus. La réflexion de quelques maires comme moi, donc de dire au préfet, écoutez, dans le plan de prévention des risques, il y a quelques maisons qui n'ont rien à faire là. Ça a été, en l'occurrence, nous, c'était 6 maisons qui étaient parfaitement ciblées, qui ont eu 1,80 m d'eau. Bon. Au fond, le sujet, c'est effectivement, on ne va pas empêcher la mer de monter. Même si on se calme sur l'effet de serre, de toute façon, le mouvement, il est parti. Donc, en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on déménage. J'ai écouté, j'ai dit, monsieur le sous-préfet, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, moi, je vais faire une étude contradictoire et puis après, on va parler. Alors, évidemment, ça a été une bagarre assez épouvantable. Et puis, à cette occasion, quand même, je lui ai dit, monsieur le préfet,
il y a des maisons pour lesquelles même les habitants sont prêts à partir. Quand il a sorti le deuxième plan, vous croirez si vous voulez, ces six maisons n'étaient plus arasées. À La Rochelle, ça fait deux fois quand même que le port se retrouve à moitié sous l'eau, quoi. Donc ça commence à... Et évidemment, ça ne va pas s'arranger puisque le réchauffement climatique, selon les scénarios, enfin, ça tourne entre 60 cm et 1 mètre en 2100. 2100, vous y serez encore, je pense. Entre 60 cm et 1 mètre. Alors, sur ces photos-là, c'est à Portneuf, sur le bord de mer, résidence Condé 2, Condé 3. Ce véhicule que vous voyez ici était garé sur le parking à plus de 30 mètres des résidences. Il a été emporté par la mer. Il est rentré dans la rampe qui mène au sous-sol, il a défoncé la porte du garage et il est rentré carrément à l'intérieur du sous-sol. Ici, c'est quand le niveau avait commencé à baisser et le niveau est arrivé ici, c'est-à-dire pratiquement 80 cm au-dessus de la porte du sous-sol. On a pris des risques. Et puis, bah, de temps en temps, ça se passe pas bien. Et puis, à chaque fois qu'il y a une petite tempête, ça remet une couche. Hein. Donc, effectivement, les gens sur la côte... La bonne démarche, la bonne réaction, c'est effectivement de réfléchir ensemble, de faire bosser les scientifiques pour qu'ils vous disent un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je suis chercheur au CNRS, au laboratoire LIENS. C'est un laboratoire de recherche mixte entre le CNRS et l'Université de La Rochelle. LIENS, ça veut dire littoral, environnement et société. Et donc, à travers 6 équipes, on étudie le littoral. Et en particulier, depuis 3 ans, je m'occupe d'un projet de recherche qui vise à mieux comprendre les submersions marines et les surcotes dans le golfe de Gascogne. Et en particulier, notre cas d'étude, c'était l'événement Xynthia, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a eu des dégâts énormes et beaucoup de pertes humaines. Rappelez-vous que Xynthia s'est monté jusqu'à 8 mètres. 8 mètres, c'est le trait jaune qu'on voit là. Donc ça veut dire que potentiellement, tout ce qui est en vert, c'était sous le niveau de la mer pendant Xynthia. Alors heureusement, tout ça n'a pas été inondé, mais il y en a quand même une grande partie qui a été inondée, surtout dans le marais Poitevin. Marin, bah c'est effectivement que la route la plus courte n'est pas forcément la plus droite. Peut-être qu'il faut éviter une tempête ou éviter un calme, peut-être qu'il faut s'organiser pour un vacances. Et au fond, ça, quand tu reviens à terre, parce que toi, t'apprends à faire ça en mer, quand tu reviens à terre, tu te dis c'est rigolo, les mecs à terre, ils font pas comme ça. Ils ont pas l'air d'avoir confiance qu'il y a de la nature autour d'eux, parce qu'ils en sont complètement coupés, parce que 80% des gens vivent dans les villes. À part les scientifiques, ils n'ont pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour regarder ce qui se passe et pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, ils ont l'air de faire un peu n'importe quoi en faisant des choses dont à court terme, on sait que c'est des impasses. Nous, on est sur le littoral. Donc, en fait, un tiers de l'Europe veut habiter ici. Tout le monde veut habiter près du littoral. C'est comme ça. Comme les gens veulent y venir, le terrain coûte cher. Si le terrain coûte cher, on gagne du fric. Et on a monté toute une économie autour de l'accès au littoral. Que ce soit pour le tourisme, pour tout un tas. La seule chose qu'il faut comprendre tout de suite, à part véritablement certains projets, c'est que l'environnement coûte cher. L'environnement, ça veut dire partir, selon les domaines, mais essentiellement en matière d'urbanisme, sur des terrains que l'on ne construit pas. Une véritable politique environnementale pour nous la mettre sur l'île de Ré, c'est rendre 80% du territoire de l'île de Ré inconstructible. 80% inconstructible, c'est la mort d'un territoire. Car le territoire, si vous voulez le réussir, si vous voulez garder des jeunes, si vous voulez avoir des services, si vous voulez avoir de l'économie, si vous voulez avoir de l'argent, il faut construire. Il y a une activité économique qui peut se faire dans un temps d'une génération maintenant. On n'en a rien à faire que la génération future ait des problèmes. C'est la même chose avec la pêche. Vous avez beau expliquer partout, etc., que quand il n'y aura pas de poisson, ils ne pêcheront pas, eh ben, on ne va pas l'entendre sur le moment. On ne peut plus l'entendre sur le moment, ce n'est pas possible. Un terrain que l'on ne construit pas est un terrain qui ne ramène pas de fiscalité. Un terrain qui ne ramène pas de fiscalité est un terrain où il n'y a pas de maison, où il n'y a pas de population. Ça ne ramène pas des enfants pour l'école, ça ne ramène pas des services, ça ne ramène rien. Vous avez vu le truc de Quimperlé ? Je vous le dis, tous les 2 ans, à peu près, vous avez la même image avec les mêmes gens. La même. Et qui vont dire la même chose, qui vont dire plus jamais, moi je m'en vais, etc.
pour être sûr que ce n'est pas eux qui sont là, il y aura quelqu'un qui va acheter derrière. Pourquoi ? Après, la mémoire du risque, c'est effectivement une réflexion sur comment on se rappelle de la. Enfin, comment on active la mémoire du risque. Mais, vous savez, au Moyen-Âge, dans l'île de Ré, ils avaient l'habitude que l'île était coupée en trois à toutes les grandes tempêtes. Les chimères. Voilà, ils le savaient, les gens, c'était comme ça. Quand il y avait des grosses tempêtes, il y a des endroits où l'île est très basse, où c'est presque qu'un cordon de dune. Et donc, bah, à ce moment-là, les grosses vagues, etc., puis ça faisait trois îles au lieu d'une. Donc les gens, ils le savaient. Puis on l'a un petit peu oublié depuis. Moi, quand j'étais gamin, je veux dire, les submersions marines, on en parlait. Un événement grave, on oublie très vite. C'est aussi la façon de survivre. Je veux dire, Cynthia, six mois après, c'était presque oublié. Alors, on va toujours trouver des gens qui sont aujourd'hui traumatisés, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est à chaque fois pareil, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc. À la télévision, on découvre chaque année qu'il y a des inondations quand il pleut très fort. C'est très drôle. Contre la mer, effectivement, moi je suis marin, je sais qu'avec la mer, on ne joue jamais contre. Que les gens ils me disent « vous vous battez contre la mer », on me dit « mais vous êtes fous, moi je me bats avec ». Parce que si je me bats contre, je vais perdre tout de suite. C'est même pas la peine d'en parler. On va pas pouvoir faire le mur de l'Atlantique sur toute la côte. On va pas pouvoir faire une barrière de béton ininterrompue d'un bout à l'autre. Hein, c'est pas concevable. Donc ce serait bien de commencer maintenant et réfléchir. Vous rentrez dans l'île de Ré en ce moment, il y a un grand panneau qui dit « Réunion PPLR tel jour à telle heure ». Donc dans l'île de Ré, il y a une réunion avec des citoyens, avec tous les gens qui veulent, qui vont parler du plan de prévention des risques littoraux. Il faut dire que l'île de Ré, ils sont un peu aux premières loges. Hein, Je ne vais pas engager moi sur le changement climatique, moi je suis très partagé sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est un problème mondial qui est différent dans chaque territoire. Je pense que le changement climatique pour les Maldives et Bangladesh n'est pas le même que l'île de Ré, qui n'est même pas même la belle des Guillons. C'est-à-dire que nous, ici, au changement climatique, on fait des mesures avec le lien, si vous êtes allé au lien ou pas. La Rochelle. Bon, le changement climatique, au fond, on avait des millions, c'est tant. À La Rochelle, c'est moins et il durait, c'est peu. Ce matin, c'est la sixième fois qu'on a plus de 10 mètres. On est même monté à 13 mètres 50 cette nuit. Et en fait, en moyenne, si on regarde les années précédentes, ça arrive une fois par an, on passe la barre des 10 mètres. Là, ça fait 6 fois. C'est un hiver particulier. Et c'est pour ça que vous avez vu l'état des plages catastrophiques avec des falaises dans toutes les dunes. Et l'hiver n'est pas fini. Là, ça continue. Samedi, il y en a une pire. Peut-être lundi, encore une autre. Peu importe. De toute façon, réchauffement climatique par réchauffement climatique, on est rentré, par l'évolution du climat, ce que vous voulez, dans une grande période d'instabilité. Les tempêtes sont plus fortes, les vents sont plus forts, les mers sont plus fortes, la houle est plus forte. Pour l'instant, on ne sait pas dire si ce sera un phénomène majeur ou un phénomène mineur. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la certitude que ce sera ça. Les scientifiques du GIEC disent monter des eaux d'environ 40-80 cm. Après plusieurs rapports qui ont été faits, ils disent 40-80 cm. Or, M. Oppenheimer, scientifique du GIEC, lui-même, dit montée des eaux probables 4 à 6 mètres. Si la fonte des glaciers terrestres continue. Je dis bien si la fonte des glaciers terrestres continue. Moi, je suis sur l'île de Ré, je ne peux pas repartir. Je suis sur une île. Donc, si je pars dans un sens, je suis à l'autre côté. Donc, la politique, déjà, c'est de se remettre au niveau de défense qu'on avait fait avant. Parce que pour l'instant, on trouve beaucoup de personnes, c'est de dire oui, attendez. Les enjeux climatiques sont énormes, ça revient. Non, on a vécu ça au 18e, au 19e, et on a très bien résisté. Sauf que les niveaux de défense étaient à un autre niveau que maintenant. Ils étaient faits. Donc déjà, se remettre à un niveau de défense. Ensuite, lorsque l'on parle de faire des ouvrages sur le littoral de protection, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, sur le littoral charentais, en particulier demain, vous serez sur l'île de Ré, vous verrez que chacun veut s'entourer de son petit château fort de digue pour s'auto-protéger, pensant que ça va être la solution. Sauf mais en aucun cas, éviter absolument de mettre des enrochements. C'est pour ça d'ailleurs que les sociétés, alors bien sûr, les enrochements, il y a des organismes français qui se sont spécialisés là-dedans. Leur politique, c'est pas de vous dire, oui, ne mettez pas des enrochements. C'est leur fonds de commerce, ça se comprend.
Ce qui veut dire que pendant que les Vendéens construisent des digues à 5 mètres, nous qui avons prévu de faire des digues à 4,50 m avec des bassins de surverse, nos digues sont trop petites par rapport à celles de Vendée. Ce qui veut dire qu'en fait, si l'eau arrive, elle surversera chez nous et nous augmentons le risque sur notre territoire. Donc notre solution à nous est de faire monter la digue à 5 mètres, mais alors si tout le monde monte sa digue à 5 mètres et qu'il y a trop plein d'eau, l'eau va se déverser sur Maran qui est au fond de la rivière. Maintenant, il faut éviter surtout des surhaussées. Parce que surhausser les digues n'empêcheront pas la submersion. Même si on peut le penser, elle n'empêchera pas, dans le cas, je vous dis bien, toujours de cette submersion par transport d'Ekman. Le transport d'Ekman, c'est une masse d'eau qui est entraînée par la tempête, qui généralement est dans le cadre de Martin Xica, une cyclogénèse explosive, et c'est cette masse d'eau qui, lorsqu'elle va arriver sur le littoral, va provoquer la submersion. Ce n'est pas un tsunami par secousse tellurique. C'est un tsunami, on pourrait le classer comme atmosphérique. C'est-à-dire que cette masse d'eau arrive toujours par la droite de la dépression. Le centre dépressionnaire de Xynthia n'est pas passé sur la Charente-Maritime. Le centre dépressionnaire de Xynthia est passé sur les Pays de Loire. Contrairement à ce qui a été dit, il n'est pas passé sur la Charente-Maritime à la pleine mer, il est sur les Pays de Loire à 1h30 du matin. Et cette masse d'eau va arriver sur le littoral. Si vous êtes sur une plage, la masse d'eau qui fait pas plus de 35 cm, la tempête Katrina aux États-Unis qui a fait des dégâts terribles, la masse d'eau était seulement de 45 cm. Xynthia a été estimée par deux professeurs des sciences de la Terre de Lyon, le professeur De Quincey et le professeur Pierre Thomas, à 38 cm. C'est cette masse d'eau de 38 cm qui a provoqué la submersion du littoral. Pourquoi ? Parce qu'elle avance à la vitesse de la dépression. Cette masse d'eau peut faire jusqu'à 100 km de long, 12 km de large. Ce qui explique que sur le littoral charentais, nous avons été submergés à 2h30 du matin, à 2h15 du matin, jusqu'à 3h. Il y a eu 3 quarts d'heure. Pourquoi ? Parce que c'est le temps que la masse d'eau arrive sur ce littoral. Par contre, cette masse d'eau, lorsqu'elle va rencontrer un mur, une digue, une falaise, des dunes ou des digues d'enrochement, va être bloqué par la pression, le niveau d'eau va monter, et à partir de là, vous arrivez au phénomène de submersion par dépassement de niveau, et l'ouvrage va être submergé, et là, ça devient catastrophique. Vous allez au bout là-bas, il y a une plage. Cette plage, on la refait tous les ans. Tous les ans, on amène des camions de sable. Et tous les ans, le courant amène le sable. Et on ramène des camions de sable. Alors, ça coûte très cher. Mais ça fait une plage pour que les touristes aillent barboter. Alors, c'est très bien, j'ai rien contre les touristes. Mais quand on en est, et il y a d'autres endroits, effectivement, où on déverse toute la côte atlantique. Des milliers de tonnes de sable, de cailloux, de rochers, de machins. Et on est obligé de le refaire régulièrement parce que forcément, ça ne tient pas. Parce que ça ne peut pas tenir. Habituellement, sur la plage des Baleines, La dune recule de moins d'un mètre par an, 50 cm, un mètre par an maximum. Et là, sur deux jours, la dune a reculé de plus de 10 mètres, 20 mètres par endroit. Donc là, on voit vraiment un mur de sable qui est... Le massif dunaire est scalpé. On a par endroit... 8-10 mètres de hauteur, là, et tout l'avant, le sable est parti. On estime qu'en gros, il y a 150 000 mètres cubes de sable qui sont partis en deux jours. Donc, les blocos qui sont en bordure de la dune ont été déstabilisés. Certains étaient déjà tombés, il y en a d'autres là qui sont en train de dégringoler. Et la décharge de sable qu'on a eue, mettra des années à se reconstruire si on y arrive, parce qu'il y a une partie du sable là, qui est partie vers la mer et qui va disparaître avec les courants littoraux pour aller sur d'autres zones de l'île de Ré ou de la Vendée. Et ensuite, la reconstruction de la dune est extrêmement compliquée parce que le sable a tendance à repartir. Donc il faut à la fois recharger, mais il faut aussi installer des dispositifs
qui permettent de piéger le sable de façon continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstituer une dune simplement en crochant du sable, parce qu'au marée suivante, dès qu'il y a de la houle un peu forte, le sable repart. C'est un peu le système des Shaddock. Bref, les dunes depuis très longtemps, c'est plus un faciès qu'on voyait à l'école avec le truc comme ça. Hein. Les dunes sont comme ça. Donc c'est pareil, le moindre imbécile peut comprendre ça, hein, qu'un faciès comme ça avec du sable, hein, quand ça tape ici, c'est plus les 10-20 cm qui disparaissent et qui peuvent revenir. C'est des fois 2 mètres, 3 mètres, voire 10 mètres, là, comme la semaine dernière, qui disparaissent. Ça va à toute vitesse. Il n'y a plus de protection. Et puis il ne faut plus envisager les vieilles solutions qui étaient possibles du temps de Napoléon III, de planter des plantes pour aider, comme les Zoya. C'est plus possible, elles ne peuvent plus tenir. Et les dunes sur l'île de Ré, comme à Tartoyeur, sont en train de disparaître. Et à toute vitesse. Et comme je vous dis, là où c'est scandaleux, c'est qu'on sait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire depuis très longtemps pour éviter que justement on ait une érosion de dunes qui soit catastrophique. On ne l'a pas fait, on continue à ne pas le faire, et puis on met des pansements, typiquement l'expression mais qui est réelle, hein, pansements sur une jambe de bois. Mmh. C'est-à-dire que... Ça fait très longtemps qu'on sait ce qu'il faut faire et on ne les fait pas. Et là, on se retrouve maintenant avec des zones où on commence à vraiment avoir très peur. Très, très peur. Donc après, on a ce qu'on mérite. Et des zones comme l'île de Ré, eh bien, je peux vous dire que quand vous aurez plus la belle dune avec des belles herbes, là, quand on va sur la plage avec la belle plage qui est bien jaune clair et très belle, etc., eh bien, que vous aurez que des enrochements ou des digues en béton, avec comme par hasard, du coup, plus de flux. Donc qui dit plus de flux dit plus... la possibilité des dépôts qui partent facilement. Donc d'un seul coup, le sable, il est moins blanc. Il est un peu jaunâtre, puis après, il est noirâtre, puis il pue. Parce que là, par contre, on n'a plus d'évacuation. Puis derrière, vous avez une digue en béton. C'est moins sympa, hein, déjà. Donc on va moins accepter de payer aussi cher sur l'île dorée pour venir. Donc toute l'économie qui est basée là-dessus, en fait, risque de bien se péter la figure. Les épis, c'est un système assez efficace pour... capter le sable qui transite par les courants du torrent. L'épi fonctionne s'il se charge en sable, c'est-à-dire s'il capte réellement le sable. S'il est placé à un mauvais endroit, à ce moment-là, il va capter peu de sable et il va créer des tourbillons en aval de l'épi, donc il va accentuer l'érosion. Il y a des choses qu'on appelle des côtes sauvages, par exemple. Côtes sauvages, c'est pareil, c'est pas pour le tourisme. Les côtes sauvages, c'est des endroits où on n'enlevait pas les pierres, le bois mort, les algues, puisque c'est ça qui va créer le début de l'amorce d'une dune qui est justement laissée par la laisse de mer et qui va faire ce petit monticule qui a plein d'intérêts, qui fait que non seulement la vague, quand elle arrive, elle est cassée, donc elle n'arrive pas à toute balle. Ça va créer le petit mouvement qui va faire le petit, mais même de quelques centimètres. Faut pas dire qu'il y a une dune qui se crée comme ça à chaque fois qu'il y a une marée. Il y a quelques centimètres qui va faire le monticule qui fait le protéger, qui va faire que ça peut se faire. Ça va faire aussi que vous avez l'accumulation de nourriture potentielle pour à la fois, bien sûr, la dune, pour que les plantes puissent pousser dessus, parce qu'on sait que c'est les plantes qui protègent la dune, mais aussi pour toute la vie sur le littoral, parce que ce qu'on oublie aussi de dire souvent, c'est que toute la dégradation de la laisse de mer à Guéhotte, 95% ça part vers le littoral. Donc, il est évident que la surpêche est un problème, mais dans plein d'endroits, c'est aussi la perte de quantité de nourriture retrouvée. Donc, on a un phénomène-là qui est connu depuis très longtemps. Mais alors, tant qu'on veut faire que des thunes sur un lieu comme ça, parce que c'est attractif, on s'en fiche. Parce que là, actuellement, les laisses de mer sont ramassées. Pour faire plaisir à tous les touristes, les différents maires depuis une centaine d'années, on a commencé à nettoyer les plages, enlever ça, parce que les gens qui venaient en vacances... commencer à trouver que l'odeur qui est typique d'un lieu, ça ne sentait pas bon pour eux. Que sur leur petite fesse, dans l'eau, etc., c'était pas possible. Donc au lieu de dire non, c'est comme ça la vie, bien on a fait tout pour qu'ils soient soi-disant le mieux possible. Ça a toujours bougé le littoral. La croûte terrestre n'est pas toujours au même niveau, parce que il y a tout un tas de phénomènes, il y a des endroits qui se colmatent avec des alluvions qui viennent par les rivières, donc ça se bouche. Il y a des endroits qui se creusent parce que la mer, à force de taper, elle fait s'ébouler les falaises ou des choses comme ça. Donc le littoral, il a toujours bougé. Sauf que jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, les vieux, les anciens, ils savaient ça.
et ils n'allaient pas mettre des trucs là où ça craignait. Ils mettaient éventuellement quelques moutons, parce que le pire, bon, c'est les moutons qui prenaient. Mais ils n'allaient pas installer des immeubles, des usines et des maisons. Oui, peut-être que la réflexion sur le marais de Poitevin ou sur les lignes des Landes, peut-être falloir admettre la nature reprend ses droits. Maintenant, la défense de Quimperlé, la défense dans le Var, la défense à Ligneret, il va falloir trouver que 60 populations sont là. Ou alors, qui prend la responsabilité? Alors, quand on est avec des traits de côte qu'il faut absolument protéger ou reconstituer, parce qu'il y a des habitations derrière, c'est vrai que l'enrochement peut être une réponse rapide pour éviter que le cordon dunaire disparaisse. Mais il faut bien voir que l'enrochement sur du sable, ça ne fonctionne pas très bien. Lorsqu'on fait des pointes dures d'enrochement, de chaque côté de l'enrochement, c'est-à-dire à l'endroit où il s'arrête, on va accélérer l'érosion. Donc on arrive à quelque chose qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faudrait enrocher des longueurs extrêmement longues pour avoir très peu d'effet. Mais par contre, l'enrochement, à court terme, c'est effectivement une réponse. Aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité des biens et des personnes. Bon. Effectivement, on essaye d'avoir des solutions qui ne dégradent pas trop le paysage. Par exemple, toutes les solutions qui privilégient l'ensablement, on retrouve des paysages qui sont à peu près identiques à ceux qu'on avait avant, mais qui ne sont pas fortement stabilisé dans le temps. Donc, c'est toujours un compromis et on essaie d'avoir des solutions qui sont des compromis. Il n'y a pas une très bonne solution et malheureusement, il y en a souvent des mauvaises. La question du littoral, c'est une question centrale dans l'aménagement au niveau mondial et au niveau français, puisqu'on a beaucoup de côtes. Et c'est important de se poser des questions maintenant et d'anticiper sur ce qui va de toute façon se passer. Parce qu'encore une fois, même on ne brûlerait plus un litre de pétrole à partir de demain matin, l'effet de serre, il est en route. Et les phénomènes, ils s'amortissent sur très longues années, voire dizaines d'années, voire centaines d'années. Donc ce qu'on a fait dans le siècle passé va influer dans le siècle à venir. Alors, on peut éviter que ça s'aggrave. L'espace naturel, la raison d'être d'un espace naturel, c'est qu'à un moment, que ce soit faune ou flore, donc elles aient des caractéristiques, elles aient des enjeux, à partir de ce moment-là, c'est classé comme ça. Après, ce qu'on demande aux gens des espaces naturels, donc c'est de faire des observations, des choses comme ça, et de ne pas modifier, c'est la raison d'être, hein, autant que faire se peut, de ne pas modifier le fonctionnement. Et après, la nature, elle dit autre chose, elle. Alors maintenant, bon, c'est là aussi, je pense qu'il y a une évolution qui doit y avoir. Est-ce qu'on doit vouloir à tout prix maintenir une zone dans les zones humides, des zones d'eau douce? Je ne saurais pas vous le dire, moi, aujourd'hui. C'est une histoire de stratégie. Si on accepte, si la stratégie à long terme, c'est de laisser aller la mer sur la réserve et de saliniser les milieux, à la limite, c'est le tracé rouge. Qui est le meilleur. Cela dit, il est trop impactant en termes d'impact direct. Donc du coup, on a choisi un modus vivendi, si vous voulez, entre l'impact direct et la stratégie à long terme de laisser aller la mer. Au départ, c'est vrai que aussitôt que Xynthia, pour les gens, c'était à cause de l'LPO. C'était ça, hein, c'était le discours. Parce qu'il y avait une dune qui était là, parce qu'on ne pouvait pas faire de digue à cause de la LPO ou des choses comme ça. Ces espaces qui peuvent être laissés à la mer en zone de décharge hydraulique peuvent être aussi aménagés dans le sens touristique, dans le sens pour les gens qui sont très intéressés par la faune aquatique. Et je crois que c'est une bonne idée de laisser ces zones là. Alors le problème, effectivement, ça va jouer le rôle de zone tampon. Oui. Lors d'expansion de marine, le problème c'est que la zone est petite. Hein.
Alors c'est pour très, ça très que restreint. On est sur moi, je ne vous hectares. Cache pas, j'ai toujours été pour que cette zone entre Voutron et ici, parce que la mer allait jusqu'à Voutron. Hein, oui, oui, la mer allait jusqu'à Voutron. Hein, pour que cette zone soit aménagée plus amplement en zone de décharge hydraulique. Voilà, le problème c'est qu'il y a des zones urbanisées ici, et qu'il y a les infrastructures, et que pour l'instant... Le problème c'est ça. Pour Canada, c'est ce qu'ils ont été obligés de faire, de rehausser les routes. Ils ont même fait une voie ferrée sur pilotis, parce qu'ils se sont aperçus, après le cyclone Juan, qui avait dévasté toute une partie du Canada, enfin, de la région de Halifax, qu'il fallait changer les routes, et puis ils ont déplacé les voies de chemin de fer, ils ont déplacé les routes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait mieux laisser l'espace à la mer. Pourquoi? Parce que ces espaces, qui sont des zones de décharge hydraulique, protègent les zones urbanisées. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le littoral, cette zone a toujours été une zone de décharge hydraulique. Et je crois que ça serait très bien de la protéger, de continuer à ce qu'elle reste comme ça, pour protéger un peu le milieu environnant. Parce que si on ferme avec des digues ici, obligatoirement, les masses d'eau, il faudra qu'elles aillent quelque part. Et si elles sont bloquées ici, qu'est-ce qui se passera? On fera des submersions sur l'index ou on va submerger les bouches aux lèvres? Ah ben, normalement, il y a une protection aussi prévue sur les bouches aux lèvres. Parce qu'on ne pourra pas faire sur le littoral des cordons de digue. Il y aurait une digue qui aurait été faite là où il y a le cordon lunaire, ça aurait été pire. Parce que le principe de la digue, ça retient l'eau d'un côté, mais quand elle passe de l'autre, si on ne sait pas l'enlever, c'est mortel. A priori, c'est... On va dire que c'est le meilleur choix. Le tracé jaune, pourquoi il est abandonné? Bah, le tracé jaune, parce que justement, on serait plus sur une stratégie d'essayer de conserver les milieux doux, alors qu'on sait qu'à moyen terme, c'est d'azur d'imaginer que la mer ne va pas aussi passer à digue et qu'en plus on a des processus d'érosion assez importants au nord. Donc ça va vite être une digue de fond de mer en fait. Hein. Donc c'est pas. Puisque ici, il va sûrement y avoir une ouverture assez rapidement. Ici, donc les choses vont bouger aussi. Hein. Aujourd'hui, on est sur une lagune fermée, hein, par le cordon lunaire. Mais demain, le problème c'est qu'on ne sait pas quand. Potentiellement, il y aura une connexion avec la mer beaucoup plus importante. Le marais, par définition, ce n'est pas une zone naturelle. D'accord? C'est vraiment une zone qui a été créée de la main de l'homme. Est-ce que pour autant ça doit devenir des habitats pour les hommes? Non. Voilà. Maintenant, ce marais, il va évoluer, effectivement. Moi, à mon sens, on doit le laisser évoluer, on doit le protéger, parce que les zones d'eau douce ont vraiment un intérêt. On doit le protéger, mais pas coûte que coûte. À mon avis, ce qu'il faut, c'est qu'on accepte une évolution. Comme un trait de côte avant, un trait de côte, on disait il est là. En fait, c'était un médian. C'est vrai que le trait de côte, il était plus ou moins 40 mètres. Il vaut mieux laisser des zones un peu tampons, dans lesquelles on laisse aller l'eau de mer avec de la végétation, des marais, etc. Pour amortir un peu la surcôte. Dans la Charente, là, le Conseil général nous demande de pas mal regarder dans le détail, ça les intéresse énormément. Si on n'avait pas eu de submersion dans tous les marais de part et d'autre, probablement à Rochefort, il y aurait eu plus d'un mètre d'eau en plus. Rochefort, je crois pas qu'il y ait eu une mort, mais là, il y en aurait eu. Une grande ville, je crois, il y a 5 000 habitants. Il y aurait eu peut-être des centaines de temps. La question du littoral, c'est une question centrale dans l'aménagement au niveau mondial et au niveau français, puisqu'on a beaucoup de côtes. Et c'est important de se poser des questions maintenant et d'anticiper sur ce qui va de toute façon se passer. 45% de l'économie est au bord de l'eau. Tous nos réseaux informatiques, électriques, ferrés et routiers essentiellement, sont au bord d'un fleuve. Sur 8600 km de digue, près de 3200 km sont identifiés sans propriétaire. Elles sont orphelines. On ne sait pas qui elles sont. La dernière loi qui définit la propriété des digues, c'est une loi de 1807, qui dit en fait que c'est finalement le propriétaire privé qui est derrière la digue qui en a la responsabilité de gestion. En fait, les digues, si vous voulez, c'est quelque chose qui, dans le temps, a complètement disparu en propriété. On ne sait plus à qui elles sont. Donc, comme on ne sait plus qui est propriétaire, il n'y a plus de responsable. Comme il n'y a plus de responsable, tout le monde essaie de se refiler le Misty Green. C'est que le grand jeu actuellement, c'est d'avoir le moins de dépenses possible en ayant le moins de responsabilités possible. À partir de 1982, la compétence progressivement est transférée aux élus locaux, le maire évidemment dans les communes en première ligne,
Et puis ensuite, département, région, toujours sous le contrôle de la préfecture. Ce qui s'est passé à partir de cette époque-là, comme l'État s'est désengagé, on va dire que les digues n'ont pas été entretenues pendant 25 ans. Donc très très clairement, il y avait beaucoup de dossiers qui ont été déposés en mairie, puisqu'on continuait à le gérer au quotidien, mais ça n'était plus instruit. Mais si on continue à faire comme ça, une décentralisation du risque et une décentralisation financière, la Ligue de Ré, qui elle par exemple, a considéré qu'elle devait défendre son territoire, nous allons y mettre des moyens, mais dans notre territoire, il n'y aura pas ces moyens, il y aura plus de risques. Il y aura les voitures avec airbag et les voitures sans airbag. Et quand arrive Cynthia, en 2010, la réponse c'est, mais à qui étaient ces digues? Et on cherche toujours. Et toute la position de l'État, depuis 2010, a été de refiler très rapidement la responsabilité aux collectivités, en disant, je ne suis pas propriétaire, d'accord, ce sont des digues où j'ai travaillé, d'accord, c'est sur le domaine public maritime, d'accord, logiquement, ça devrait être les miennes, moi j'en veux pas. Alors je cofinance et vous prenez la responsabilité. Donc la responsabilité juridique. C'est vrai que moi je vous parlais de défense de côte tout à l'heure où ça n'était pas instruit. Je dirais que malheureusement, j'étais amené à faire des travaux de défense de côte dans l'illégalité. Dans l'illégalité. C'est-à-dire que c'était contre, jusqu'à la verbalisation par les services de l'État. Et ça, après, chaque maire prend ses responsabilités. Hein. Ceci dit, j'irai pas en prison parce que j'ai fait des travaux. Mettre un PV, hein. Si vous voulez, je vivais avant, je vivrai après. Hein. C'est pas quelque chose de... Et c'est vrai qu'il y a un moment où... Mais quand on fait ça, il faut savoir doser, quoi. C'est, faut vraiment mettre en avant le risque. Ça doit pas être opportun. C'est vraiment une culture du risque. Ça n'est pas... Moi, j'ai jamais fait de digue d'urbanisme, si vous voulez. J'étais amené à travailler sur la défense de côte sans autorisation et sur le DPM, sur le domaine de l'État. Si je l'ai fait, c'est parce que j'estimais que... On se mettait en danger. On avait un peu oublié, parce que je pense qu'effectivement, pendant 50, 70, 80 ans, on a eu un peu le sentiment qu'on maîtrisait le terrain de jeu, hein, qu'on était les Kingos et que de toute façon, ça allait se passer comme on veut, qu'on commence à découvrir que ben non, et on a perdu cette culture du risque, encore une fois, avec les gens dans le temps. Défense de côte, ça peut toujours céder. Hein, je pense qu'aussi, en tant qu'élu, on a évolué là-dessus. Des zones qu'on ne considérait pas à risque, on a pris conscience qu'elles étaient à risque aussi. Hein. Tout le monde est dans une zone à risque. Donc vous ne pouvez pas dire, on a eu un moment, c'est de leur faute, on ne peut pas habiter là. Ou c'est le permis construit qui est illégal. Il y a certainement eu le permis construit qui n'aurait pas dû être. Tout à fait d'accord. Bon. Mais la plupart sont légaux. Mais il se trouve que cet élu-là, il était promoteur en même temps. Donc oui. Tu parles de suite de la faute. Oui, tout à fait. Oui, donc il n'était pas blanc-blanc. Mais, ah ben oui. Tout à fait. Ah ben oui, mais... c'est toujours pareil, on assume des responsabilités, on les assume pour le meilleur et pour le pire, il n'y a pas... Ce qui est sûr, c'est qu'à la faute sur mer, c'est complètement anormal qu'il y ait des habitations. À la limite, un champ, bon, mais c'est pas grave, c'est plus cultivé pendant 2-3 ans, le temps que ce soit dessalé. Mais une maison, on sait ce que ça a donné, ça c'était vraiment anormal, il y a vraiment eu un souci majeur. La faute sur mer, c'est une espèce de cuvette où il y a eu presque 2 mètres d'eau dans certaines maisons, là il y a eu une faille, c'est sûr. Voilà, donc les communes, c'est vrai que pendant longtemps, elles ont été un peu coulantes. Parce qu'aussi un promoteur arrivait en disant je vais urbaniser, je vais faire des lotissements et vous pourrez mettre des jeunes couples, ça fera des élèves dans vos écoles, ça fera plus de subventions de l'État, ça vous fera connaître, etc. Donc les maires, ils ont dit oui. Puis alors évidemment, après, ils se rendent compte qu'il y a le regard de la médaille. Quoi. Alors, moi aussi j'attends de voir. Parce que je peux vous dire que le préfet qui était en place au moment où les permis de lotir ont été... Parce que le maire, souvent c'est sur instruction du service de l'État, en plus, il faut quand même le savoir. Hein. Et après, il y a le contrôle de l'égalité qui est derrière. Voilà. Et là, silence radio. Et moi je peux vous dire pourquoi il y a silence radio. Parce que tout simplement, la proposition du service de l'État était favorable. Donc là, ils sont mal. Les uns les autres. Je ne dis pas que le maire est tout blanc, mais ce que j'attends de savoir, c'est juste où ça va aller. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'un préfet, quand il prend une décision, il est responsable jusqu'à sa mort. Vous avez eu le cas de Vaison-la-Romaine, où le préfet a été condamné 20 ans après. Le préfet qui était en place au moment des événements. Donc évidemment, un préfet, il est très engagé aussi. Mais nous, on a la coutume d'appeler ça le parapluie, hein. De sortir le parapluie,
Bon, certainement qu'au niveau de l'État, il faut qu'ils évoluent. Quand vous achetez effectivement dans la mer, vous avez une petite clause en tout petit de celle que vous lisez jamais, qui dit que vous êtes conscient des risques. Vous le savez que si vous brûlez, vous allez faire une cloque. Alors les gens, sur le moment, oui, bah évidemment, on est conscient des risques. Allez, t'as vu, le terrain, il est pas cher, il est vachement bien situé. Allez, Germaine, tu as construit notre cabane, hein. Ça va être super. Bah oui, sauf qu'après, quand ça commence à merder... On se brûle, on fait une cloque et on dit, je comprends pas que j'ai fait une cloque. Hein. Faut m'indemniser, hein, ma cloque. Hein. C'est au secours, l'État, rachetez-nous notre maison, parce que voilà, bah, l'État, il dit, mais attendez, moi, j'ai rien à vous racheter du tout. Parce qu'il faut savoir que dans le principe, il y a une analyse, ce qu'on appelle l'ACB, c'est l'analyse coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la protection de côte coûte plus cher que les enjeux qui sont derrière, on rase ce qui est derrière. À partir du moment où ce qui est derrière vaut plus cher, en gros, hein, je veux dire, c'est dans les grandes lignes, on fait la défense de côte. Ça, c'est une des bases. Hein. C'est une... Et puis l'assurance, c'est pareil. Elle dit, moi, vous aviez la petite clause, maintenant, voilà. Donc effectivement, après, les gens, ils ont pleuré pour pleurer. Vous vous rappelez ce qui a été dit après Xynthia? Le lendemain, Xynthia? Non? Vous ne voyez pas ce qui a été dit jusque derrière, là? Que maintenant, on allait arrêter de construire sur cette zone-là. Qu'on allait faire une bande qui devait être le retour aux bandes d'avant. C'est-à-dire de ne pas faire d'activité à cet endroit-là, de faire très attention, de faire... Tout ça, trois jours après, on commence à entendre les mêmes gens qui pleuraient à la télévision. Dire, oui, effectivement, si l'État m'indemnise, ben, je m'en vais. Puis une semaine après, on commence à dire, oui, bon, en même temps, il y a un mec à la télévision, là, qui à 20h a dit que ça arrivait tous les 50 ans, donc peut-être qu'il y a le temps. Puis trois semaines après, on commence à entendre des gens qui commencent à dire, moi, je suis désolé, mais ma maison, elle n'a pas été touchée. Hein. Donc c'était inondé partout, mais sa maison, la chance, s'est passée juste à côté, mais non. Lui, il ne comprenait plus qu'on dit que c'était en zone inondable. Ok, très bien. Mais il ne faut pas se plaindre que l'État soit interventionniste et qu'il mette les barrières et les règlements et les bidules, puisque de toute façon, les gens ne veulent pas assumer le risque. Et puis, quand on vous a continué, bah, vous aviez toutes les zones qui étaient en zone noire qui sont devenues un peu grises. Puis finalement, on a dit, tiens, noir, c'est un peu vache comme couleur, on va mettre rouge, puis orange, puis jaune. Puis finalement, vous n'avez quasiment aucune maison qui a été enlevée. Aucune zone, en fait, qui est repartie. Et on est reparti, quoi. Moi, j'ai eu, après Xynthia, donc on a vu des mobilhomes, des choses comme ça. J'ai même eu des gens, moi, qui voulaient installer des mobilhomes durablement pour accueillir leurs propres enfants. Dans des zones où il y avait eu... Mais il faut savoir dire non, quoi. Quand il y en a un qui fait une connerie, ça retombe sur le dos de tout le monde. Et ça, c'est vrai pour tout. Donc là, effectivement, la faute sur mer, le mec fait une connerie, il y a 10 morts, je crois, 10 ou 12 morts, rien dans cette commune-là. Ben, effectivement, après, ça panique tout le monde et on met les trucs en place. Tiens. Les élus de l'île de Ré accusent l'État d'être un peu trop alarmiste sur le plan de prévention du risque. Ben oui, mais ça, c'est ce qu'on dit quand on veut continuer à rendre des baraques en bord de mer, je suis désolée. Mais après, c'est les premiers qui vont pleurer pour qu'on paye pour refaire leur digue, pour qu'on indemnise les gens de l'île de Ré qui ont été sinistrés, pour que si, pour que ça. Pour ce qui est de la commune d'Yves, par exemple, les Boucheleurs, le Marouillé, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de construction. Il n'y aura pas d'autres constructions. Le principe étant de ne pas exposer une population nouvelle à ce type d'événement. Tu vois, alors, à un moment donné, dans la vie, il faut choisir. Vous avez la sécurité et la liberté, c'est au debout d'une chaîne. Et vous, vous vous mettez où vous voulez, mais il faut l'assumer. Si vous voulez beaucoup de liberté, vous n'aurez pas beaucoup de sécurité. Si vous voulez beaucoup de sécurité, vous n'aurez pas beaucoup de liberté. C'est votre choix. Et puis c'est un choix d'une société tout entière. Et le choix de nos sociétés tout entières, c'est plutôt d'être du côté de beaucoup de sécurité et moins de liberté. Aujourd'hui, c'est la tendance. Hein, on voit bien. Mais ça peut changer. On peut décider autre chose. Mais aujourd'hui, quand il y a un mort, c'est un drame. Je suis désolée parce que, de dire ça de manière brutale. Mais aujourd'hui, c'est insupportable qu'il y ait un mort. Si vous êtes prêt à prendre des risques, alors à ce moment-là, vous avez droit à un État qui n'est pas prescripteur et qui vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas assumer les risques,
et bien à ce moment-là, vous aurez un État qui prendra les responsabilités pour vous parce que vous ne serez pas capable de les passer. On ne peut pas tout demander à l'État et en plus ne pas payer d'impôts et en plus faire ce qu'on veut. Et on ne peut pas avoir à la fois l'autonomie, la liberté, pas de risque, que si ça tourne mal, vous serez exonéré de vos responsabilités. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même mettre le truc autour de la table. Quoi. Là, depuis janvier, tout le monde se rend compte qu'on a causé les grands débats. Il fait longtemps qu'on dit que la révolution est en place. Il fait longtemps qu'on dit que les fonds sont pas en place. Effectivement, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire reculer? Qui est-ce qui paye? Donc tout ça, ça se fait autour des plans de prévention qui sont quand même bien musclés, on va dire, depuis quelques années. Donc on essaye aujourd'hui, comme on n'est pas trop capable de traiter pour l'instant la réalité des choses, on essaye de faire en sorte que, un, les gens soient prévenus, deux, qu'on évite les morts. C'est déjà pas mal. En France, on est entre les deux. On est entre la prévention, le repli et la défense. Un, on fait rien, et c'est le repli stratégique complet. On dit, bon, bah, la mer monte. L'évolution est naturelle. L'eau repassera le jour passé. Le climat est plus fort et on recule. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, tout le monde veut garder sa petite maison à soi. Hein. Mais il va bien falloir se poser cette question-là. Il y a des trucs qu'on ne pourra peut-être pas déménager. Donc on sera peut-être obligé de les garder. Donc là, il faudra peut-être faire des barrières. Ce ne sera peut-être pas très cool, hein, le port de La Rochelle, avec 2 mètres de béton autour du port, ça va faire bizarre. Enfin, bon. Et puis, il y a des trucs qu'il faudra déménager. Cette politique peut être envisagée sur certains territoires. La défense des Dunes des Landes, la défense de certains endroits, il va falloir reculer. Sauf qu'attention, on ne sait pas reculer. Donc l'État ne veut pas payer. L'État dit qu'il faut reculer, mais je ne paye pas. Ah oui, mais il faut bien payer, il n'y a rien à y faire. Donc on ne sait pas reculer non plus. Donc acte 1, c'est pas, à mon avis, c'est pas le repli partout. C'est le repli là où il faut. Il y a des endroits, ça ne vaut pas la peine, il faudra bien, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas éviter les dégâts matériels. On l'a vu, là, hier, avant-hier, il y a un certain nombre de thalassos, de trucs qui sont remplis de mer. Bon. Deuxième solution, c'est on défend tout et on active partout les principes de défense. C'est des montants colossaux et à un moment, il y a une logique qu'on ne peut pas être partout. Et attention, c'est une logique que certains pays ont fait. Vous prenez la Hollande, tout défendu. La Hollande a fait des projets de 1 milliard par an. Alors c'est vrai, elle joue l'intérêt de son pays entier, 2/3 de son territoire. Et la Hollande considère qu'avec 1 milliard par an subi, elle défend tout. C'est la tranquillité absolue. En Hollande, on a arrêté la nature. Certains diront, mais la nature reprendra ses droits. En tout cas, depuis 1953, les ingénieurs. Mais oui, la question se pose, non seulement sur toute la côte de Manche et d'Atlantique, mais en Méditerranée, où là, il n'y a peut-être pas de marée, mais il y a quand même des risques importants. Et puis, je vous rappelle que les 3/4 de la surface maritime de la France ne sont pas en métropole. Mais sont aux Antilles, à Tahiti, dans toutes les îles françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles australes, les compagnies dans l'océan Indien. Et que là, les îles, elles sont elles aussi dans une situation extrêmement délicate, parce que là, nous encore, on a un peu d'espace pour reculer, mais enfin, dans les îles, souvent, ils n'en ont pas beaucoup, donc ça se complique encore. Quoi. Ou alors, on crée un système qui coûtera beaucoup moins d'argent. Quand vous êtes sur une zone qui s'appelle zone inondable, donc qui va s'inonder, eh bien, les gens qui veulent habiter là, ils peuvent le faire s'ils en ont envie. Ils prennent un risque, ils risquent de mourir. Il y a de tout perdre, mais ils sont au courant. Dans un littoral qui est exposé, eh bien, il faut privilégier le recul. Pourquoi? Parce que sur ces côtes sablonneuses, et on parle en connaissance de cause, puisqu'en Arabie Saoudite, on a fait des travaux de protection sur des côtes sablonneuses, il n'y a pratiquement pas de solution pour empêcher vraiment, véritablement, le recul du trait de côte. Ce qu'on appelle le recul du trait de côte, ça veut dire que la mer va gagner du terrain de plus en plus. Donc, il faut mieux privilégier le trait de côte que de vouloir se lancer dans ces travaux que seuls des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou autre chose peuvent se permettre d'entreprendre. Parce que pour stabiliser une côte en Arabie Saoudite et protéger tout un espace, on a enfoncé des pieux à plus de 60 mètres de profondeur qu'on a ensuite ferraillé, bétonné, avec un contre-rideau d'ancrage derrière. Ça demande, c'est un coût exorbitant. On ne peut pas le faire
sur le rivage de France. Ça fait déjà 50 ans que des pays comme la Hollande, que des pays comme les États-Unis, tous ceux qui ont des problèmes avec les marées, le font. C'est forcément maintenant plus là que ça se passe, c'est là-bas que ça se passe, c'est-à-dire du côté marin. D'où le fait de pouvoir peut-être faire ce que font les Hollandais actuellement chez eux, c'est de faire des grands bancs de sable au large ou de mettre des digues d'enrochement au large de manière à casser l'impasse de l'onde, là, oui. Et donc la seule solution, c'est des reliefs sous-marins pour pouvoir casser la houle. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que de toute façon, on se fout de tout le monde. Hein. C'est qu'on sait ça depuis très longtemps. On n'a jamais voulu faire ça parce que au moment où on veut le faire, on sait que ça coûte de l'argent. On sait très bien que si on ne le fait pas maintenant, ça va coûter encore plus d'argent et en plus, ça sera détruit. Mais on continue à ne pas le faire sur le moment. Et ça, c'est normal car tout le monde s'en fout. Quand il y a des élections, quand il y a des trucs comme ça, tout le monde le sait, mais personne ne vote pour des trucs majeurs comme ça. Dans un siècle, 85% de la population mondiale, elle irait sur les littoraux. Donc du coup, on n'est pas dans une optique de développement durable ou bien de sortir dans les mers. Ah ben oui, là ça pose effectivement, mais t'as raison. C'est aujourd'hui, si tu veux, c'est une extrapolation de la tendance qu'on voit depuis quelques dizaines d'années. Hein, si tu vois que depuis que les gens se rapprochent de la côte, donc si tu poursuis la courbe, ben, tu te dis, voilà. Si on continue comme ça, on va arriver là. Donc la question à se poser, c'est peut-être effectivement, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Parce qu'aujourd'hui, quelle est la grande raison des mouvements de population? C'est la misère et la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est essentiellement les paysans dans le monde qui se barrent dans les grandes villes, dans les taudis, parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre dans leur campagne, soit parce que la terre a été dévastée, elle ne produit plus, soit parce que la terre a été achetée par des pays ou des multinationales, soit parce qu'on les a poussés à faire des cultures de rente comme l'arachide, le soja, etc., puis que le cours mondial s'est écroulé et que les mecs ne peuvent plus vivre. Donc tu vois, si tu arrives à garder ces gens-là, bah, tu peux imaginer que tu vas éviter ce mouvement de déplacement. On n'a pas toujours vécu dans une société de grande consommation, de mondialisation, il y a eu d'autres sociétés, on peut en inventer d'autres. Donc c'est là-dessus, en fait, c'est ces paramètres-là, à mon sens, qu'il faut ajuster. Sur la question de la consommation, on voit bien qu'on consomme n'importe quoi à tort et à travers. Ça n'a pas l'air de nous rendre tout le temps super heureux. Et souvent, ça nous pose un peu des problèmes. Donc voilà. Donc il faut se poser ces questions de, en gros, quelle nouvelle économie, quel nouveau rapport entre les hommes, entre nous, mais aussi sur la planète entière, il faut instaurer pour changer notre façon de faire. Et faire en sorte que les ressources dont on a besoin soient préservées pour qu'elles puissent continuer à faire partie de notre fonctionnement. On ne peut pas vivre sans eau, sans air, sans arbres, sans animaux, ça, on ne peut pas vivre. En fait, nos recherches sont financées en partie par le Conseil Général, je trouve qu'en Charente-Maritime ça marche pas mal, et en contrepartie, le Conseil Général nous demande de faire des présentations régulièrement aux élus pour justement transmettre ces connaissances. Donc on le fait, et les gens sont au courant, et ça marche pas trop mal. L'île de Ré, c'est un peu un cas particulier, parce que... C'est ceux avec qui on travaille. Ouais. L'île de Ré ? Pas toujours, il y a quelques maires un peu têtus, qui ont plein de sous, et donc, s'ils veulent une digue, ils font leur digue. Bah oui, non, mais il y en a qui nous écoutent, hein, c'est pas tous. Mais il y a quelques cas, il y a un petit peu. Exactement, l'info est passée. Pourquoi les politiques ne peuvent pas gérer le littoral ? Il n'y a pas que les politiques, on en a aujourd'hui, sur le littoral charentais, on en a l'exemple. Un, chacun peut s'entourer son petit château fort de digue, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un fait ça, l'autre procède d'une autre manière, sans aucune consultation préalable, bien qu'ils pensent qu'ils l'ont fait, et surtout sans étude préalable. Et lorsque vous faites un ouvrage maritime, il faut absolument faire une étude au préalable, pour savoir quelles seront les conséquences de l'ouvrage sur le système et sur les ouvrages qui sont à côté. J'ai l'exemple des centrales nucléaires françaises, dont une centrale nucléaire dont je ne vais pas nommer le nom, qui est dans le Nord, où il y avait un banc de galets qui était là depuis plus d'un siècle, que tous les pêcheurs locaux connaissaient, que toutes les populations locales connaissaient. Quelques années après la construction de l'île, on s'est aperçu que ce banc de galets s'était complètement disloqué, fractionné, et que les galets venaient s'accumuler
à l'entrée de l'aspiration des eaux de refroidissement de la centrale. Il a fallu refaire tout un ouvrage pour éviter ça. La période de retour, si on dit que c'est 50 ans, ça veut dire que tous les ans, il y a une chance sur 50 que ça se produise. Mais éventuellement, ça peut être deux fois la même année, ou ça peut ne pas être pendant 200 ans. C'est vraiment une grandeur statistique. C'est le temps statistique moyen entre deux occurrences. Donc en fait, il y a des statisticiens qui ont travaillé sur ces périodes de retour. C'est très important parce qu'en France, il y a plusieurs zones côtières sur lesquelles il y a des centrales nucléaires. Et donc, quand on dimensionne des digues de protection, il ne faut pas se tromper parce que sinon, c'est ce que ça donne. Ça finit comme au Japon. Et en 99, dans l'estuaire de la Gironde, on n'est pas passé loin du tout. La centrale nucléaire a commencé à être inondée. Ce qui est extraordinaire, c'est l'arrogance des dirigeants français qui, après Fukushima, nous disent mais en France, la technologie française est hyper fiable, ça ne peut pas arriver. Voilà. Et en fait, en 99, c'est vraiment pas passé loin. Donc, c'est faux. Pour les élus de la côte et les gens de la côte, il y a une inquiétude sur le danger de submersion. De mon côté, je m'intéresse au changement climatique. J'ai travaillé de longues années sur les changements climatiques passés pour essayer de comprendre le pourquoi, le comment et les conséquences. Et je m'intéresse maintenant au changement climatique futur, parce que, comme l'a montré le GIEC et tous les scientifiques qui ont travaillé pour lui, les glaces sont en train de fondre de plus en plus vite, et le niveau de la mer va monter de plus en plus vite. Il montait au début du siècle lors de 1 mm par an, puis au niveau global, il est en train de monter maintenant à 3,5 mm par an, et on s'attend d'ici quelques années à ce qu'il monte à plus de 5 à 10 mm par an. Et c'est une montée rapide, c'est une montée moyenne. Là-dessus, on a les grandes marées, on a les tempêtes vont s'accélérer, elles vont être plus fortes. On va peut-être, avec le réchauffement climatique, avoir des tempêtes de type tropical qui vont toucher le sud de la France. Ils ont déjà touché des queues de cyclones, ont déjà touché le Portugal. Donc le sud de la France, c'est pas très loin en latitude. Et tout ça fait que... on peut avoir des submersions à chacun de ces événements qui sont de 1 à 2 mètres au-dessus du niveau moyen, la marée de quelques mètres. Ça fait qu'au-dessus, par rapport au zéro moyen géographique, on peut avoir la mer qui monte à plus 8, plus 9 mètres par rapport à la référence zéro géographique, qui est là à peu près la marée moyenne. Et plus 8, plus 9 mètres, c'est beaucoup, beaucoup de maisons qui sont inondées, de ports qui sont inondés, tous les ports sont en dessous de ces côtes-là, de falaises qui sont, de dunes de sable qui sont attaquées au-dessus des zones où elles sont attaquées maintenant, ça leur donne un équilibre différent, et tout ça fait qu'on a raison d'avoir des inquiétudes. Donc là-dessus, il y a deux possibilités qui sont complémentaires, et qui toutes les deux demandent réflexion et préparation, c'est probablement ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire se bagarrer pour arrêter de mettre tout ce carbone, ce CO2 dans l'atmosphère, essayer de diminuer le réchauffement futur. De toute façon, il y aura un réchauffement, mais on peut peut-être en diminuer l'intensité. Et l'autre chose, c'est l'adaptation. Donc, tous les gens qui vivent le long des côtes, il faut qu'ils apprennent à ce danger de la mer qui monte, soit pour quelques heures, si c'est une tempête, un cyclone, ou des très hautes marées, soit la montée progressive ou lente du niveau moyen. Les anciens vivaient avec la nature. Ils connaissaient les caprices de la nature, ils savaient tous comment ça se passait. Ils disaient, tiens, la mer vient là. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ce petit village de Bretagne où j'ai été élevé, la Turbal, il y avait des vieux marins qui étaient là. Je vais prendre un peu le ton de ce qu'ils pouvaient dire. Ils disaient, tu vois, mon petit gars, si la mer elle est venue là, va construire ta maison ailleurs. Eh bien, je crois que beaucoup feraient bien de s'inspirer de ça. Thank you.
La terre plonge, la côte se ronge. Quel avenir pour la planète? À faire des plans sur la comète. Capital nous ronge, le monde plonge, on nous envoie des faux prophètes, et pendant ce temps, plus d'art.